like sun on my skin. So this is love, I know it is. I know it sounds super cliche, but you make me feel some type of way. This is falling, falling in love. Aujourd'hui, on se retrouve dans la rue, tout simplement parce que je vous emmène avec moi pour découvrir l'exposition Couturissime de Thierry Mugler au Musée des Arts Décoratifs. Pas de panique pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire du créateur, qui ne connaissent pas l'histoire de l'exposition, parce qu'au fur et à mesure, après s'en est mis plein les yeux, on va débriefer chaque chose. Il fait moche, il y a du vent, il fait froid, c'est parfait pour faire une expo. C'est parti! Si, si, j'ai toujours rêvé de faire ça. Très pressé de découvrir le musée des arts décoratifs et encore plus l'exposition Couturissime. Il y a une chose que j'avais pas prévue. Un petit explicatif pour être sûr de ne pas partir dans tous les sens parce qu'il y avait tellement de choses dans cette exposition. Ce que je peux dire déjà, premier abord, c'est que il y avait énormément de choses, mais que c'était quand même très bien organisé. En tant que simple visiteur, je dirais que ce qui était le plus facile à suivre, c'était justement l'architecture en fait de l'exposition, parce que c'était sur deux étages et chaque lieu avait sa propre thématique. Du coup, la première thématique, c'était tout autour de l'animal, parce que souvent, ils l'ont repris dans l'exposition, une phrase que Mugler disait très souvent, c'était « Mon animal préféré sur Terre, c'est l'être humain ». Donc, ils ont appelé cette thématique « Métamorphose », deux points, le bestiaire fantastique. Tout simplement parce qu'il va y avoir des créations qui relèvent du fantastique, il va y avoir des reptiles, des insectes, des oiseaux, des papillons, mais ce qu'il faut savoir, c'est que Mugler est contre la fourrure animale. Il n'a utilisé aucune peau, aucune vraie plume, aucun vrai poil. C'était vraiment que du synthétique. Et les deux collections qui ont été très très mises en avant dans cette première thématique animale, c'est la collection Insectes et la collection Chimère. Et en plus de ça, ça va être deux collections donc, qui ont été faites en 97 et 98 et qui vont vraiment révolutionner le monde de la haute couture française parce que dès lors, on utilise déjà d'autres matériaux que de l'animal pour représenter de l'animal. Et c'est vrai que du coup, ce paradoxe, il était assez inédit à l'époque et c'est pour ça qu'elle a marqué l'histoire de Mugler dans sa carrière de haute couture et de couturier. Ensuite, la deuxième thématique qui a été mise en avant du coup dans la deuxième salle, si on peut dire ça comme ça, c'est le futurisme. Pour être exact, c'est couture gynoïde et futuriste. Et ce qui était super aussi, c'était qu'en fait, à chaque nouvelle thématique, il y avait des grands panneaux écrits où il nous expliquait, avec des verbatims de Mugler, le pourquoi du comment de ses créations.
Et pour la mode futuriste, il disait « J'ai toujours essayé dans mon travail de rendre les gens plus forts en apparence qu'ils ne le sont vraiment. » Et c'est aussi dans cette collection-là qu'on va voir en fait le petit Thierry Mugler, parce qu'il explique que dans son enfance, il s'inspirait beaucoup des héros, de films de science-fiction, des super-héros, aussi des voitures de course. Vraiment, c'est un mélange de monde enfantin et de monde futuriste. Et la silhouette du coup qui a le plus marqué, c'était la silhouette de cette dame qu'on a vue avec un sac à main en forme de pneu, parce qu'il utilise énormément de caoutchouc pour cette collection. Tout ce côté futuriste, c'était une seule et même collection à l'époque, c'était en 1989 et c'était la collection Hiver Buick. Il va faire des bustiers par choc, il va faire des ceintures radiateurs, un sac aileron, et plus tard il va même collaborer avec un carrossier qui était Jean-Pierre Delcros. Ensuite, quand on montait à l'étage, dans une autre salle, on avait le Lab Mugler qui nous avait été présenté, donc qui nous expliquait que Thierry Mugler avait connu des temps très durs dans son adolescence, qu'il avait même été sans domicile fixe et qu'il avait une histoire avec une fameuse étoile. Et en fait, cette étoile, c'est une étoile bleue qui le suivait toujours, peu importe où il dormait, que ce soit sur des bancs ou à même le sol. Et il disait que c'était son ange gardien et que plus tard, eh ben, elle lui amènerait des bonnes choses. C'était une étoile qui avait un bleu qui dit indescriptible. Et c'est grâce à ça que va naître la fragrance Angel et bien d'autres créations aussi au niveau de la haute couture. Mais vraiment, ce qui a vraiment été poussé dans le Lab Mugler, c'est vraiment ce lien entre l'étoile qui était son guide et le parfum Angel qui est du coup en forme d'étoile et qui est la première fragrance Mugler et qui est, selon moi, la plus représentative de la maison. Et en fait, il explique que ce parfum, il voulait absolument que ce soit un parfum qui soit si irrésistible qu'on a envie de le manger. Donc pendant très longtemps, il a collaboré avec énormément de scientifiques, de personnes qui font des fragrances, et il voulait quelque chose de très précis, très sucré, très réconfortant, qui rappelait l'enfance et qui donnait faim en fait. Et du coup, Angel est né en 1990 en collaboration avec le parfumeur grassois Olivier Cresp. Ensuite, dans une autre pièce, il nous était présenté avec de la musique et des défilés de Thierry Mugler en fond, au-delà de la mode Mugler derrière la caméra, parce qu'après avoir fait de la danse classique, avoir créé son parfum, avoir fait de la couture, eh ben Thierry Mugler, il a fait de la photographie, parce qu'il y avait une anecdote qui était expliquée sur un des murs de l'exposition. Il avait fait en fait une campagne publicitaire avec Helmut Newton, et il faisait tellement que lui dire « fais comme ci, fais comme ça, mais là je vois telle chose comme ci, telle chose comme ça » que ben, Monsieur Newton il lui a dit « mais si t'es si sûr de ce que tu veux, pourquoi tu le fais pas toi-même » Et c'est à partir de ce moment-là qu'il se dit « je prends le pari, je me lance et ben, je vais totalement faire de la photo et je vais faire mes propres campagnes de pub. » Et en fait, ce qui est fou dans toutes les photos qu'on a pu voir dans l'expo, c'est qu'il y a quelque chose de très fort qui ressort. C'est vraiment l'amour que porte Mugler aux environnements immenses. Vraiment cette notion de dimension, il fait vraiment apparaître ses silhouettes dans des endroits mais improbables. Mais quand on voyait ses photos, on disait c'est du Mugler. Ensuite, dans une autre pièce, il y avait du coup la thématique belle de jour et belle de nuit. Il va inventer la Glamazone. Donc la Glamazone, c'est quoi? C'est une femme moderne, chic, urbaine, fantaisiste. Et du coup, il va faire des silhouettes très architecturales. Grand chapeau, des grandes épaulettes, une taille très 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 fine. Et il a même fait des décolletés pour les fesses. Ensuite, on avait une partie un petit peu plus grosse que celle qu'on vient de voir. C'était une autre thématique, c'était Star et Strass. Et en fait, ce qui est incroyable avec cette thématique-là, c'est qu'on se rend compte à quel point Thierry Mugler, c'est le show en fait. C'est le spectacle. C'est des costumes, c'est vraiment, pour lui qui a été danseur, il sait mieux que personne l'importance du costume en fait. Et c'est fou les costumes qu'il y avait dans cette thématique, il y avait des couleurs, c'était vraiment à la fois du rock'n'roll, à la fois ça faisait même limite Hollywood, ça faisait aussi un petit peu, si on devait ramener à maintenant, c'était vraiment limite entre Kim K et Beyoncé quoi. Par contre Star et Strass, je pense pas que ce soit le nom des collections, je pense que c'était juste le nom de la thématique. Mais ça regroupait en fait toutes les créations Mugler qui étaient juste incroyables quoi. Et enfin, dernière thématique, c'était Macbeth et Lady M.
En fait, Thierry Mugler, il a eu droit à un très gros budget de la part de la Comédie-Française pour pouvoir créer plus de 70 costumes et accessoires pour la représentation de la tragédie de Macbeth. Il a vraiment fait des costumes incroyables, surtout la cage dorée de Lady Macbeth, en fait, qu'il a vraiment recréée. Ça y est, le débrief est terminé. Je vous avoue qu'on a commencé le jour, on a fini la nuit, mais on a fait la queue et pris la pluie. Mais vraiment, cette journée, elle valait le coup, mais plus, plus, plus. J'espère que ça vous a plu. Je vous encourage vivement à aller voir cette exposition. Elle y est jusqu'en avril 2022. Donc vraiment, enfin, foncez, c'est incroyable. Il y a de la musique, c'est immersif. Je vous laisse avec la suite des images parce que j'en ai pris plein et c'est juste incroyable à regarder. Je vous spoil pas tout, comme ça vous allez être obligés d'y aller pour voir la suite. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, abonnez-vous, laissez des commentaires, likez, dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous êtes allé le voir. À très vite et prenez soin de vous. Ciao !